ta faveur. Gagner du temps sur un projet, c'est crucial pour un promoteur. Un homme pense avoir trouvé la solution pour leur dénicher des terrains plus vite et permettre en même temps aux particuliers de toucher le jackpot. C'est à Lyon, dans le département du Rhône, que Romain Solène a monté son affaire avec son ami Grégory Bussière. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, on passe plus de temps ensemble qu'avec nos épouses respectives. À 39 ans, ce père de famille n'en est pas à son coup d'essai. L'entrepreneuriat, il dit être tombé dedans un dimanche soir en regardant une certaine émission à la télévision. C'était en 99, je crois que c'est en septembre ou en octobre, je ne sais plus, sur Capital, sur M6. À l'époque, avec Emmanuel Chin qui présentait l'émission. Les images sont vieilles pour moi aussi. Une famille sur quatre possède un ordinateur en France. Un Français sur dix a déjà navigué sur Internet. Ce réseau mondial qui va probablement bouleverser une partie de notre vie. C'est un retour sur le multimédia et plus particulièrement sur un Lyonnais qui se lance, dont je suis un auditeur, qui s'appelle WebCity. Alexandre Dreyfus a 21 ans et un CV quasiment vierge. On voit qu'il est à Lyon et ça me parle, ça correspond à ma mentalité. Et voilà comment je décide de partir vraiment dans la vie d'entrepreneur. Quelques années plus tard, avec son associé Grégory, ils tentent leur chance dans les télécoms avec un petit opérateur téléphonique, Aladdin Télécom. En 2005, ils revendent l'entreprise et se lancent dans l'immobilier, d'abord comme agent, puis comme promoteur. Et là, on a une idée folle dans notre tête. On se dit, en fait, il existe des comparateurs pour les hôtels. Depuis 10 ans, ça s'est mis en place, les bookings, l'hôtel.com. Il existe des comparateurs pour les vols, des comparateurs d'assurance, mais il n'existait pas de comparateur pour les promotions et la construction. Et on se dit, on va créer un comparateur de promoteurs et constructeurs. Ce comparateur, le voici. Promis, une plateforme qui vous propose de trouver le promoteur idéal. Pour ça, rien de plus simple. Depuis votre canapé, vous entrez votre adresse et vous accédez à une mine d'informations sur votre bien immobilier. On va compiler plus de 53 sources de données pour permettre d'avoir toutes les informations pertinentes sur le bien. Savoir son zonage, la surface au sol disponible, la hauteur des murs et puis la taille des bâtiments, les dernières ventes qui ont lieu sur le secteur pour voir vraiment le potentiel économique, ce qui va être en jaune. On y trouve aussi les permis de construire accordés récemment sur cette zone ou toutes les commodités présentes dans votre quartier. On va voir que la crèche, les dauphins, est à 4 minutes à pied, à 340 mètres et 1 minute en voiture. Et même des informations sur le taux de pollution de l'air ou les risques géothermiques. Bref, de quoi vous faire une idée de ce que vaut votre bien sur le marché des promoteurs immobiliers. Et quand le logiciel détecte dans votre terrain un gros potentiel, un commercial vous appelle. Bonjour, je vous appelle concernant votre projet sur la commune de Sionzier. Oui. Ce client a déjà été sollicité par des promoteurs et des agents immobiliers. Mais Julien Charderon, directeur commercial, a de bons arguments pour le convaincre de faire affaire avec lui. Parfait. On a pu retravailler le projet et on a pu augmenter la superficie de plancher. D'accord, c'est ce que vous appelez, vous, le SDP, c'est ça? Exactement, la SDP, la superficie de plancher, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une valeur vénale un petit peu plus importante pour le promoteur qui va vous acheter en fait la parcelle. De mémoire, vous avez une proposition financière, c'est ça? Voilà, donc l'agent immobilier va estimer ça entre 900 000 et 950 000. Ok. D'accord, et le promoteur, il était, lui, entre 1,50 et 1,100. Ok. Des propositions alléchantes, mais selon Julien, la maison de ce client pourrait lui rapporter encore plus. Je pense qu'on peut atteindre facilement le 1,3 million, 1,4 million euros. Donc, vous allez avoir à peu près 30% d'augmentation. Mais à ce stade, ce n'est qu'une estimation, pas une garantie. Car il faut qu'un promoteur se montre intéressé. Moi, c'est le projet que je vais mettre en avant sur ma marketplace afin que les promoteurs puissent nous faire un retour et une proposition financière. Le site travaille avec 123 promoteurs dans toute la France. Le commercial va leur proposer ce bien à l'achat. Il va ensuite comparer ceux qui vont se montrer intéressés pour trouver les deux meilleures parties. Le plus offrant, mais aussi le plus sérieux. C'est-à-dire celui qui aura le plus de chances de mener la vente à terme. J'ai eu un ami à moi qui a vendu un terrain à un promoteur, et il y a eu des recours des tiers, et ça ne s'est pas fait. Donc, quand on vend un terrain, c'est toujours compliqué. Et puis, je veux pas que ça s'imprègne, parce que nous, on a un projet derrière. Je fais quoi avec ma femme, on s'appelle demain et on met ça en place. Allez, très bien, merci beaucoup. Le lendemain,
ce client signera un mandat exclusif pour 3 mois. Le temps pour les équipes de lui trouver le promoteur de ses rêves. Mais quant à promoteur mort à l'hameçon, la culbute est-elle vraiment au rendez-vous? On arrive dans 500 mètres. Ce jour-là, à 1 heure de route de Lyon, Neuville-sur-Ain. Et donc là, on va organiser le rendez-vous de signature entre le particulier qui nous avait contacté pour s'occuper de lui et le promoteur qui a été retenu pour faire le projet sur place. Il se retrouve sur le terrain à construire. Désolé pour le retard, il pleut un petit peu. Oui. Bon. Lucas est le vendeur du terrain. Bonjour. Et ce promoteur de la région, celui qui va y bâtir bientôt, ses 7 petits pavillons individuels. Des villas, donc les villas ici. Vous n'avez pas changé au niveau de l'accès, on reste sur cet accès-là. Exactement, hein. Okay, parfait. Lucas, le vendeur, croulait sous des offres plus ou moins intéressantes. J'ai eu des propositions qui allaient jusqu'à entre 160 et 180 000 euros. Voilà, pour ce terrain. Donc je pensais qu'on pouvait faire mieux, mais j'en étais pas certain. Clairement, moi, titre personnel, je serais probablement pas venu sur cette commune-là. Et alors, vous pouvez vous faire combien pour ce terrain? 260 000 euros. Du coup, vous voyez, ça fait une différence quand même. C'est beaucoup plus que ce que vous avez proposé. Oui, maximum, on m'avait proposé 180 000 euros. Avec ce mariage arrangé, Lucas, le vendeur, a empoché quasiment 50% de plus. Le promoteur, lui, a payé 13 000 euros de commission à Romain. Environ 5% du prix de vente. Donc, c'est ce qu'elle m'a coûté. Ça paraît beaucoup, mais il assure avoir fait de sacrées économies en recherche foncière. Aujourd'hui, cet argent, c'est ce que j'aurais dépensé. Je pense en double en termes de prospection de recherche foncière. Pour toucher ses commissions, Romain a besoin de trouver un maximum de fonciers. Il doit donc se faire connaître de tous les propriétaires de France. Pour ça, il mise sur une star des terrains, de rugby cette fois-ci. Vous l'avez reconnu, c'est bien Sébastien Chabal, l'ancien champion du 15 de France. Ce jour-là, en comité de direction, Romain présente leur dernière campagne de publicité. Avec tu peux vendre ton terrain ou ta propriété 30% plus cher. Ouais, c'est ça, ouais. Et moi, je suis le king. Bon ben. Rock and roll. Pas mal le déhanché. Pas mal le déhanché, hein. En échange de son engagement, Sébastien Chabal a obtenu des parts dans le capital de la société. J'ai 5% de la société, alors il y a eu c'est un deal gagnant-gagnant. Aujourd'hui, voilà, je donne mon image à Promis contre une participation dans la société. Et moi, je crois au projet, donc voilà. S'il a embarqué dans l'aventure, c'est qu'il a été convaincu après avoir joué les cobayes. 8 mars, on a fait un test. Je ne me souviens pas le nom de la commune, sur la maison de tes grands-parents ou tes parents. Gluiras. Ah, Gluiras, voilà, en Ardèche. Là-bas, à Gluiras, où on a fait en un instant ce test-là. Promis rééquilibre le rapport de force entre le particulier, qui n'est pas forcément très avisé sur tout ce qui est l'immobilier, ce monde un peu obscur, un peu étrange, et le promoteur qui, lui, connaît exactement son métier et sait où il veut aller. Avec cet allié de poids, Romain Solène espère capter de nouveaux terrains et multiplier par 4 son chiffre d'affaires d'ici l'an prochain. Pour les particuliers, tout est gratuit sur sa plateforme. Ce sont les promoteurs qui paient. Et pas seulement en reversant une commission. Vous allez voir qu'il leur impose des conditions pas si faciles à faire passer. Ça va ? Ce jour-là, il a rendez-vous avec Lionel Martin à droite et Yvan de Bionne, respectivement promoteur et prospecteur foncier. Il vient leur proposer d'adhérer à sa plateforme. Si vous passez moins de temps à prospecter, si vous dépensez moins, vous ferez peut-être aussi des meilleures propositions en particulier. Pour nous, le seul intérêt d'une plateforme comme la vôtre, c'est de trouver du foncier qu'on n'a pas sur un marché classique. Exactement. Mais pour avoir accès à ces terrains, Lionel et Yvan vont devoir payer un abonnement. Le promoteur qui va venir chez nous, on va lui proposer un abonnement à 1000 euros par mois. 1000 euros par mois et par département, sans être sûr d'être sélectionné pour tel ou tel projet. Forcément, ça coince un peu. Je ne sais jamais si je vais être prioritaire. Non, parce que j'essaie de le redire une nouvelle fois, je ne suis pas là pour faire plaisir au promoteur. Je suis là pour faire plaisir. Mais quand on paye une prestation, en général, en tant que professionnel, quoi, on s'entend à avoir une espèce d'exclusivité. Vous ne l'aurez pas eu, moi. Les promoteurs sont perplexes. Et encore, Romain ne leur a pas annoncé le plus gros.
Par contre, maintenant, vous avez montré patte blanche. On audite les promoteurs aujourd'hui, pour donner ordre de grandeur, sur l'année 2022, on a refusé 32% des candidatures des promoteurs. Vous auditez carrément? Oui. Ah, oui. La qualité financière de la société. Oui. Donc si on n'est pas sélectionné, on ne peut pas vous donner de l'argent pour aller sur... Exactement. Ah, merde. Non, je ne suis pas là pour vous satisfaire. Hein. En gros, pour être très clair, si on n'est pas membre de premier, on est contre-premier. Une méthode, disons culottée. Merci pour tout, qui, ce jour-là, ne fera pas ses preuves. Les promoteurs ne rejoindront pas la plateforme, préférant continuer à trouver eux-mêmes terrain et vendeur. Pas de quoi refroidir les ardeurs de Romain Solène, qui espère d'ici quelques années représenter 30% du foncier disponible. À Joinville-le-Pont, quelques jours